parle plus fort. Alors, ça, les gens diraient, c'est une bouteille. Une bouteille quoi? Cronenbourg. Il y a que des Cronenbourg en forêt. Heineken, il n'y en a pas. Flag, il n'y en a pas. Des Guinness, il n'y en a pas non plus. Enfin, c'est interdit. C'est la dernière loi. Mais Cronenbourg, on a le droit en forêt. Si tu bois ça... Voilà. Donc ça, on a le droit. Mais par contre, ce qui est génial, je ne garde pas. C'est très solide. C'est incroyable quand même. Ça se casse pas. C'est quand même incroyable. C'est génial. Je crois qu'on a progressé là dans la science. C'est pas mal pour bien conserver ces bouteilles. Alors ce que les pseudo aiment bien faire, ils la descendent, ensuite ils la posent par terre et en général ça leur fait des chiottes. Ils peuvent pisser dedans. Après ça leur fait une réserve d'uranium qu'ils peuvent toujours reboire pour avoir fait du sport. Bon, les bouteilles ont un léger défaut. Évidemment, quand il y a plus de force exercée sur l'objet, ça peut se casser. Défaut. En général, ça marche bien sur la roche, mais sur le bois, ça dépend. Une fois sur quatre, en général. Et même pas. Hein. C'est quand même incroyable. Là, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre là, comment est-ce qu'ils ont fait ça. Casse pas. Peut-être qu'en tapant super fort. Putain de merde! Ah, c'est trop solide. Bon, bah tant pis alors. On fera la prochaine expérience sur une bouteille de vodka. Qui paraissent un peu moins. Oups, il est ok. Un grave. Hein. Bon, voilà, donc. C'est ça, toi. Ok. Non. C'est rire. Je vais te niquer. Ce qui arrive quand les arbres se poussent de ma gueule. Ils sont trop résistants.